Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing Diamond Art Club. Ça faisait longtemps. Faut savoir en plus que j'en ai 4 autres à vous tourner qui sont arrivées bien avant. Mais je voulais absolument ouvrir cette toile. Elle arrive aujourd'hui. Et on va regarder ça ensemble. Ça fait bizarre parce que le carton, je ne sais pas si vous allez rendre compte, il n'est pas relativement grand. Et ça fait très longtemps que quand je commande chez LAC, je n'ai pas eu de petits cartons. Déjà parce que en général les toiles sur lesquelles j'ai des coups de cœur sont dans une taille beaucoup plus grande, mais aussi parce que en général j'en prends deux pour éviter les frais de port. Mais là il n'y en avait aucune autre qui me plaisait en fait. Donc à l'intérieur du carton on a la facture et puis on a ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc PS, un petit truc comme ça, autre quoi. Vous avez votre facture là. Et ça, gardez-le parce qu'en fait, en bas, c'est Marina qui me l'a montré. Vous avez un code en bas ici. Je ne vais pas le montrer parce que c'est pour moi. Alors, des fois, c'est des codes juste de 15%. Et là, moi, j'ai eu buy one, get one at 50%. Bon, en gros, une achetée, une à 50%. Ce qui peut valoir le coup. Du coup, ça, je vais le garder. Hop. Donc gardez bien, des fois ça vaut pas, enfin voilà, c'est souvent des 15%, mais des fois vous avez, voilà, comme là, une achetée, une à 50%, et ça, ça vaut le coup. Et si jamais, je le dis maintenant, vous avez également mon code d'affiliation de 15%, qui vous donne également 15% uniquement sur votre première commande. Alors, je déballe ça. Ça m'embête par contre parce que du coup ça va faire plein de plastique dans ma poubelle et que bah je pense que bon, peut-être qu'en province, je sais pas du tout comment ça se passe, mais comment vous dire qu'avec la grève des éboueurs à Paris, j'ai un monticule de 3 mètres de haut sur 15 mètres de long de poubelle devant chez moi. Et si je peux éviter d'en rajouter parce qu'on se fait engueuler après. Donc bon bref, c'est un peu chiant, limite on est obligé de garder une poubelle chez nous, c'est une horreur. Du coup. Cette toile, en fait, je ne l'avais pas vue parce qu'elle n'est pas sortie sur Instagram. Ils ne l'ont pas montrée. Je n'ai pas eu de mail pour dire qu'elle était là. Il faut savoir que c'est mon artiste, il me semble. C'est bien lui. Ouais, elle, pardon. C'est mon artiste préféré qui est You May Art. Et en fait, j'ai mon amie Nadine qui m'a dit, j'ai craqué, j'ai pris une toile. J'ai dit, bon, laquelle et tout. Et du coup, elle monte l'image. Je fais, mais comment ça? Mais... pourquoi je ne l'ai pas vue en fait? Et je retourne sur l'Instagram de DAC, je fais non, elle n'y est pas. Et en fait, surtout, le prix était mais genre méga intéressant de fou. Il faut savoir que j'ai payé 30 dollars, 31 dollars, donc en euros, ils le font plus cher parce qu'en fait, ils incluent en plus la livraison dans le prix. Donc même quand la livraison est gratuite, vous la payez quand même. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais du coup, au niveau du prix... je me demande si en euros c'était pas quand même parce qu'en tout je crois que j'en ai eu pour 59 euros avec les 14 euros de livraison en plus. Mais bref, c'était pas cher en sachant que c'est une 55 par 80 cm, donc c'est pas une petite taille en fait, c'est une grande toile. Et habituellement, ce genre de toile il faut compter 90 euros à peu près. Ouais, si, ouais, 80-90. Et du coup, je comprenais pas pourquoi elle était pas chère. Et Nadine m'a dit que c'est parce qu'en fait, c'est une V1 par rapport au... comment ça s'appelle là? Ceux qui font le charting, eh ben, ce serait un apprenti, entre guillemets. Donc du coup, il a fait la V1 et il y aura une V2 faite par quelqu'un. En gros, ça différera au niveau du layout, peut-être, d'après ce qu'on a compris. Mais franchement, c'est ce que on se disait toutes les deux, en fait on s'en fiche. Déjà le layout, bah, quand je l'ai vu, il est pas si naze, en fait il est super beau. Et je préfère avoir une toile à 30$ que à 90$ parce que le mec qui a fait celle à 90 est un peu plus expérimenté en fait. Clairement, j'en ai rien à faire. Donc voilà. Du coup, donc l'image c'est Flower Delivery de You May Art. Que je vais vous montrer maintenant sur la boîte. Voilà, alors je suis désolée, là vous n'avez pas grand chose. Je suis désolée aussi, je suis essoufflée, mais je viens d'aller faire ma tournée de colis. Donc c'est passé par la poste, par Mondial Relais, par Chronoshop, par Relais Colis, par Vinted Go, absolument tout. J'ai fait 3 km et du coup je suis un peu essoufflée. On a un toolkit.
qu'on va déballer rapidement si j'y arrive. Alors, dans le toolkit, qu'est-ce que vous trouvez? Vous y trouvez un stylet avec sa petite mousse assortie. Donc, les couleurs diffèrent d'un kit à l'autre. Des fois, vous avez du rose, du jaune, du noir, du bleu. On a la petite cire, comme ceci. On a des sachets zip, des petits multiplaceurs. Comme c'est une toile en diamant carré, ils fournissent une pince avec. On a également un petit cover minder. Là, ici, c'est une petite fleur. Bon, elle est mignonne. Bon, ça va, ça passe. On a un masking tape, donc pareil, le cover, vous n'aurez pas forcément le même, et idem pour le masking tape, donc là c'est un petit masking tape marqué love, voilà, il est sympa, et ils ont changé la barquette. Alors est-ce que ce sera à chaque fois, je ne sais pas. Alors la barquette reste, voilà, c'est la même, avec le petit bouchon, par contre elle est plus transparente, elle est blanche, je ne sais pas trop ce que ça change, bon, moi peu importe, en fait, je vous avoue que tout me va. Et en général, j'utilise la barquette que Nadine m'a achetée pour Noël. Donc, j'utilise pas forcément trop ces barquettes-là. Mais de temps en temps, quand sur un petit projet, je vais les mettre dans la valisette. Du coup, on va passer à la toile. Ah, je suis trop contente. En fait, déjà, je sais que... Alors, j'adore You May Art. Et en fait, là, c'est une image des studios Ghibli, je crois. Enfin, ou en tout cas, très inspirée. Parce que moi, j'ai pas une grande connaissance de fou. Mais il me semble, si je me trompe pas, parce que bon, avec trois frères, c'est compliqué de pas connaître les studios Ghibli. Ghibli ? Ah, je sais même pas. Et il me semble que c'est Kiki la petite sorcière. Alors. Oh là là, oh, je suis amoureuse. Non, mais vraiment, et celle-là, oh, je vais la faire pour mes frères, ils vont être dingues. Donc, du coup, c'est. Je vais vous montrer. Alors, on a un petit livret, des explications. Moi, je vous avoue, ça, je m'en sers pas. Mais c'est bien pour ceux qui débutent. On a quand même 66 couleurs. J'ai remarqué que DAG, de plus en plus, ils font des toiles avec énormément de couleurs. Et du coup, ben moi, ça m'embête parce qu'au niveau de mes rangements, il va falloir que j'achète un truc plus grand. Parce que les petites boîtes Elizabeth Ward, j'ai jusqu'à 52, je crois. Donc du coup, 66, ça dépasse un peu. Au niveau... Ouais, c'est ça. C'est bien Kiki, la petite sorcière. Donc je vous montre l'image de près. Et en fait, donc, c'est la livraison de fleurs, donc Flower Delivery, donc, faite par You May Art, mais donc inspirée de Kiki, la petite sorcière des studios Ghibli. Je crois qu'on dit Ghibli quand même. Et là, on le voit bien derrière, c'est marqué Kiki Delivery. Donc, c'est bien la petite sorcière Kiki. Avec, oui, en plus, il y a le petit chat noir. Donc, ouais, ça vient bien de l'univers Ghibli. Donc, ça, c'est chouette. Et je sais que mes frères vont adorer cette image. En fait, j'ai un de mes frères qui est fan de You May Art et des studios Ghibli. Donc, là, comment dire, combo gagnant. Et moi aussi. Alors, mais j'ai pas vu tous les films du studio Ghibli. C'est Kiki la petite sorcière, par exemple, j'ai jamais vu. Mais je connais un petit peu. Et j'aime beaucoup l'univers et j'aime beaucoup You May Art. Donc, vraiment, quand Nadine m'a montré sa photo. Oui, j'ai commandé celle-ci, j'ai dit non, mais il me la faut en fait. Et je me suis dit, mais elle doit plus être en stock parce que une toile de You May Art à 30$, je me suis dit, il n'y a aucune chance, c'est bon, c'est trop tard. Et je vais sur le site, elle était toujours en stock. Je regarderai entre deux si elle est toujours en stock. Et si elle est toujours en stock, ben, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'aurais peut-être dû regarder avant, mais je sais pas. Je sais pas du tout si elle sera toujours en stock ou pas. Alors. Donc, petite précision, ici c'est autocollant. Vous avez juste à les coller sur vos boîtes. Après, moi je vous avoue que sur mes boîtes, ça se décolle beaucoup. Pourtant, je les avais bien lavées avant. Et en tout cas, ceux de ma Wonder Woman ne tiennent pas. Donc, j'ai dû mettre du scotch par au-dessus. Donc, faites attention parce que si vous perdez un autocollant, c'est facile de retrouver la référence. Mais alors, si vous en perdez 3-4, en plus dans les mêmes teintes de couleurs, bon courage. Hein. Donc, du coup, 55 par 80 cm. On a l'air d'avoir beaucoup de violet, oui. Et au niveau des AB, on en a 4, 5 ? 5. 5 AB, ce qui est pas mal du tout. On va regarder ça après. Il faut que je fasse gaffe aussi à l'heure, parce que moi j'ai un cours qui commence à 18h. Au niveau du layout, franchement, ça me...
Ça me choque pas en fait, enfin, je trouve pas ça bizarre. Je vois pas pourquoi du coup ils l'ont mis à ce prix-là parce que franchement ça m'a l'air très correct. Oui. C'est vrai que le vélo, l'escalier à la rigueur, on le voit peut-être un petit peu moins, mais à voir une fois les diamants posés parce que chez DAC ils éclaircissent beaucoup le layout afin que du coup bah, on puisse avoir une bonne visibilité. Et bah, poser les diamants plus facilement. Mais ici, du coup, à voir, c'est vrai que l'escalier, peut-être, vous voyez ici, n'est pas aussi apparent sur la toile, en tout cas quand les diamants ne sont pas posés. Donc, faut voir aussi. Mais le reste, bah, là, c'est des bouquets de fleurs. C'est une image de toute façon qui est en conversion digitale avec toutes les fleurs, etc. Pour moi, je trouve ça très bien. Là, pareil, hein, enfin, franchement, on voit quand même que c'est des fleurs. On voit la fenêtre avec des trucs à l'intérieur. La petite sorcière est très apparente. Les bouquets de lavande sont magnifiques. Le Kiki Delivery m'a l'air très apparent aussi. Non, sincèrement, je ne vois pas de problème plus que ça. Donc, bah, tant mieux pour moi, parce que du coup, c'est un bon layout avec un tout petit prix. Donc, tant mieux. Au niveau des AB, alors vous le savez, je ne sors pas tous les diamants pour la simple et bonne raison qu'après, pour ranger, c'est un enfer. Alors, on a celui-ci là qui est magnifique. On a un bleu, on a un violet ici. On doit avoir un rose très pâle et un rouge, j'ai l'impression, et un jaune. Jaune vert. Je vois le jaune vert. Je vois le rouge. Et l'autre, j'ai dit quoi? Un genre de jaune très pâle. Oui, un rose, c'est plutôt un pêche très pâle. Donc, on a ces 5 AB-là. Donc, vraiment, je ne vais pas vous les sortir. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas un AB, voilà, c'est des diamants avec une couche de brillance supplémentaire. Moi, j'adore en rajouter dans mes toiles. Donc, là, c'est vrai qu'il y a bon, bah, DAC, par exemple, il en inclut de base. Mais la plupart des vendeurs n'en incluent pas. Et donc, du coup, j'en rajoute de moi-même. Et même des fois sur les DAC. Donc là, je vais regarder. De toute façon, là, je pense que vu avec 5 AB, je pense pas que j'aurai l'occasion d'en rajouter. On va regarder un petit peu où est-ce qu'ils les ont situés. Ça, j'ai dit que c'était quoi? Oui, le vert un petit peu, le symbole 1. Bah, il y en a. Il y a du vert partout, donc ça va être compliqué de le trouver celui-là. Le symbole numéro 1. C'est un jaune vert un peu. Alors, on va y... Ah là, dans le balai. Le vert du balai. Pourquoi il y a du vert dans le balai? Parce qu'il y a un genre de liane autour de son balai. Ok. Et un petit peu ici. Le 2, c'est le rouge. Alors là, c'est assez facile parce qu'il n'y a pas du rouge partout. Ça va être son nœud, ses chaussures et les petites fleurs rouges ici. Voilà, c'est tout. Le 3, c'est le violet. Alors, le violet, alors là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y en a partout pour le coup. Symbole 3, donc ici. Bah en fait, est-ce que j'ai besoin de le dire? Absolument partout. Dans tous les trucs, un peu de. C'est pas de la lavande, mais ces fleurs tombantes du j'adore ces fleurs. Il y en a. En fait, j'en ai vraiment partout. Le 4, c'est le pêche très clair. Donc j'en vois un petit peu là et dans le balai. J'en vois également pour l'instant nulle part ailleurs. J'étais partie sur un truc et non, en fait, ça, je me suis trompée. Là, bah non, j'ai déjà dit dans le balai. Ça a un peu joué à Où est Charlie, vous voyez. Là, c'est Où sont les abeilles? Là, il y en a. Et là aussi. Et là, ah oui, là, il y en a plein là. Là, il y en a, il y en a, et il y en a. Et ensuite, le 5, c'est le bleu absolument sublime. Alors, lui, il va se trouver un petit peu ici. Un petit peu dans le vélo. Ici aussi dans les fleurs. Ici, j'en ai un peu aussi. Et. Alors, c'est compliqué avec la taille ici. Et ici, j'en ai plein, c'est ça, hein, je suis pas aveugle, ouais. Toutes ces grosses zones de bleu clair ici, dans le reflet de la fleur, de la fenêtre, ça va être du AB, jusqu'à là à peu près, toute cette zone.
Donc je pense pas que je vais en rajouter parce qu'il y en a déjà beaucoup et en grande quantité en fait. Dans tout le violet, il y en a, dans le bleu, etc. C'est des grosses quantités. Donc je pense pas que je rajouterai beaucoup de AB. J'adore la tête du chat, je suis désolée, mais elle me tue. Il a l'air un peu idiot. Enfin, il a l'air d'avoir un regard un petit peu abrutissant, on va dire. Regardez-le. Non, mais il est trop mignon. Au niveau, bah tiens, tant que je vous ai à la main, regardez au niveau des symboles. Bon, alors mon téléphone, il veut pas être super net aujourd'hui, mais... Le téléphone fait de la... Ah non, c'est parce que... Ok. Voilà. Dès que je dézoome, il veut plus être joli. Donc en fait, je crois que tout le reste de la vidéo va être nul. Parce que j'étais en mode 0,5 au lieu de 1 et du coup ça enlève la netteté. Bah du coup voilà, comme ça là vous la voyez bien, en belle qualité. Je suis désolée du coup. Franchement là l'escalier, la vidéo ça va, même le vélo il se voit bien. On voit bien tout en fait. En vidéo ça ressort très très bien, très très net. En vrai c'est un petit peu plus pixelisé j'ai l'impression, mais franchement ça va. C'est vrai que là, je vois bien la caméra, le truc. Oh, j'ai envie de la commencer du coup. J'ai très 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 envie de la commencer, mais il faut que je finisse ma Wonder Woman, ma Goat et mon ourson. Et je pense que ça va être la prochaine. En plus, j'ai envie de printemps, vous le savez, dans les dernières vidéos, je suis chiante avec ça. Mais j'ai envie de printemps, de fleurs, de cerisiers, de vacances. j'ai envie de... Ouais, moi, je supporte pas du tout la grisaille et l'hiver. Donc, oui, je sais, j'ai rien à faire à Paris, du coup, si j'aime pas la grisaille. Mais, du coup, là, j'ai énormément ce besoin de fleurs fraîches et tout. Et cette toile, elle tombe à pic. Et je vous avoue que j'ai vraiment, vraiment, vraiment très, très envie de la commencer. J'allais dire de la commander, mais non. La commander, c'est fait, elle est chez moi. Mais je suis en train de réfléchir déjà avec 66 couleurs. Dans quoi je vais ranger ça? Je pense que parce qu'en plus j'ai plus beaucoup, j'ai vendu pas mal de mes valisettes parce que je m'en servais pas et que je préférais aller aux abattoirs et je suis en train de le regretter du coup parce que bah, je pense que je vais faire un tour sur AliExpress voir un petit peu en termes de rangement, peut-être prendre un truc, je sais pas. Mais j'ai super envie de la commencer là tout de suite. De toute façon, il faut que je finisse mes projets en cours. J'ai pas de rangement dispo non plus. Et puis voilà quoi. De toute façon, je vais finir ma Wonder Woman. Mais ce sera peut-être la prochaine de mes toiles, de mes grands formats. Parce que vraiment, elle est sublime. Du coup, en fait, je vais mettre un gros coup de fouet à la Wonder Woman pour la finir genre méga vite. Parce que déjà, j'ai envie de l'avoir finie. Et pour commencer celle-ci. Parce que vraiment, c'est... Bah, coup de cœur. Disons que j'adore l'artiste et j'adorais l'image déjà de base, mais le fait que ce soit un peu relié, enfin un peu non complètement relié au studio Ghibli, j'espère que ça se dit Ghibli parce que si je dis Ghibli alors ça se dit Ghibli depuis tout à l'heure, les fans ils vont me hurler dessus à travers leur caméra. Mais voilà, le fait que ce soit Kiki la petite sorcière, ça me fait beaucoup penser à mes frères. Et du coup, j'adore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette toile. Ça me démange. J'ai envie de la commencer. En plus, au niveau des couleurs, franchement, bon, il y a quelques couleurs foncées. Mais on a quand même des bleus, on a du vert, du orange. On a des violets, des jaunes bien pétants. On a du rose. Oh là là. Ça donne vraiment trop envie au niveau des couleurs de la commencer. Et ça m'énerve. Parce que je peux pas. Mais je crois que je vais trouver une solution pour pouvoir la commencer vite fait, bien fait. Ça va être Nico Presto que je vais la commencer. Et au niveau, oui, je vous ai dit que je rajouterai pas de AB. Peut-être par contre que je rajouterai des strass au niveau des fleurs. Mais c'est pas sûr. Au niveau, vous voyez, mais je sais pas si vous allez voir grand chose. Par exemple, ici, au niveau du cœur des petites fleurs de son panier, peut-être que je rajouterai un strass ou deux. Mais ça, je verrai quand j'aurai fait au moins une ligne pour voir si la netteté s'améliore un petit peu avec les diamants. Parce que pour l'instant, je me projette pas trop au niveau des substitutions. Et j'ai pas envie que ça fasse trop, en fait. Il y a déjà beaucoup de AB et surtout, il y a déjà beaucoup de détails, en fait, sur l'image. Et j'ai peur que de rajouter des strass, malheureusement, ça fasse trop. Parce qu'il y a trop de détails. Donc, du coup, voilà.
Et en plus, ça, faut savoir que c'est une image que You May Art, il me semble qu'il la vend, celle-ci. On peut acheter ces images. Et en fait, pendant longtemps, je me suis dit, je vais l'acheter, celle-ci, et la faire en perso, ce qu'on a le droit, du coup. Mais je me suis dit, ouais, je remettrai ça plus tard, et machin. Puis, il y a tellement d'images que je veux faire en perso, et que, bah, je l'ai toujours pas fait. Et donc, bah, là, forcément, franchement, un grand merci, Nadine, parce que sans toi, je l'aurais pas eu, et j'aurais vraiment beaucoup, beaucoup regretté de ne pas l'avoir eu. Je pense que je ne m'en serais pas remise si j'avais pas pu l'acheter. Bon, j'aurais attendu la V2, quoi, mais j'aime pas attendre, moi, quand je veux quelque chose, je le veux un peu tout de suite. Je suis une petite gamine pour ça. Donc voilà, en tout cas, merci Nadine. Du coup, voilà pour cet unboxing. Je vous mettrai, donc si elle est toujours en stock, le lien direct vers la toile en barre d'infos. Et sinon, bah, juste mon lien d'affiliation vers Diamond Arts Club si jamais elle est plus en stock. Je vais regarder ça de suite, le temps de faire le montage. Et ben, dites-moi ce que vous en pensez au niveau du layout. Je m'excuse encore pour la qualité du début de la vidéo qui a été un peu foirée à cause du zoom de mon téléphone. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. J'espère que ça ne vous empêchera pas d'aimer la vidéo et de la regarder. Voilà. De toute façon, vous avez l'image nette maintenant. Donc, c'est mieux que rien, on va dire. Mais je m'excuse vraiment pour ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, ben, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye! Je vous prends très rapidement, j'ai oublié de vous préciser quelque chose et en même temps j'en ai profité pour aller regarder. Alors malheureusement elle n'est plus en stock et elle ne reviendra pas, en tout cas pour cette version-là. Je pense comme c'est marqué V1 que d'ici peu de temps elle sortira du coup en V2, je pense. Mais en tout cas pour l'instant du coup il n'est plus possible de se la procurer chez Diamond Arts Club. Sinon, autre chose, au niveau du prix, du coup, en euros, c'était donc 30 dollars, mais c'était 44 euros. Plus, du coup, j'ai payé 14 euros de frais de port. Donc, ça m'est revenu à 58 euros. En fait, on est sur les prix qu'il y avait au tout début sur Diamond Art Club. Donc, bon, voilà. Et en fait, j'ai remarqué une chose, du coup, en allant voir la toile, c'est qu'ils disent donc qu'il y a 61 couleurs. Plus 5 abeilles, plus un fairy dust. Je ne sais pas ce que c'est. Effectivement, j'ai regardé. Et là, 66, vous voyez, Z743. Ça m'a l'air d'être un genre de jaune. Ok, bah c'est des... Alors, ça, je vais être obligée de vous sortir. En fait, c'est des diamants. C'est pas des diamants à paillettes comme il y a sur ma boutique, c'est vraiment différent un peu. Il y a des paillettes, mais pas de la même façon en fait. Je sais pas si vous allez voir. Il y a une petite couche en plus qui fait que ça brille un petit peu plus. J'en avais jamais vu. J'en avais jamais vu. Mais ils sont à canon de chez Canon quoi. Ouais, c'est des paillettes, mais en fait, moi, vous savez, sur ma boutique, le diamant est un peu transparent pour laisser percevoir les paillettes. Là, vous avez des paillettes qui sont vraiment sur le diamant jaune. Voilà, mais ça me donne encore plus envie de la commencer. Je m'en fous, je vais finir ma Wonder Woman dans 2 jours et dans 2 jours, je la commence. Bon, j'abuse, mais franchement, oui, si, je vais essayer. Et ça, du coup, c'est Fairy Dust, là, il se trouve... Bah, au niveau des fleurs ici jaunes, on en a également ici, on en a ici et on en a en fait dans l'escalier tout du long. Oh là là, ça va être trop beau, ça va être trop beau, ça va être trop beau. Je peux plus, là, il faut que j'accompagne. Franchement, là pendant mon cours, du coup comme j'écoute et je prends pas de notes la première écoute, je vais avancer sur ma Wonder Woman, il me reste 4 lignes et demie, avec quasiment 5. Je suis quasiment à la moitié. Franchement, si je carbure, je peux y aller super vite quoi. Je vais faire que ça s'il faut, mais il faut que je commence cette toile. Ça va être une obsession tant que je ne l'ai pas commencé. Quitte à mettre les diamants en sachet zip parce que j'ai pas de rangement, c'est pas grave. Je vais me débrouiller, mais je ne peux pas résister. Et du coup, ouais, voilà, je vous ai repris rapidement parce que je n'avais pas vu qu'il y avait un diamant particulier. Et bah, également pour vous dire que du coup, bah, c'était plus en stock, donc vous n'aurez pas le lien. Mais je pense vraiment que voilà, c'est marqué V1. Je pense qu'il y aura une V2 au bout d'un moment, en fait. Simplement, je ne sais pas quand. Mais je sais qu'en général, quand ils font des V1, ils font une V2 derrière, quoi. Donc, normalement,
Je pense que d'ici quelques semaines, elle ressortira dans une autre version. Le layout sera peut-être juste un peu différent. Voilà pour ça. Du coup, cette fois-ci, c'est bon. Je vous laisse pour de vrai. Allez, bisous!